Bonjour Yves Barou. Bonjour. Vous êtes président de l'AFPA, l'Association de formation professionnelle des adultes, ainsi que président du Cercle des DRH européens. Première question, après 8 ans de crise, quel doit être, selon vous, le rôle de la formation professionnelle ? Il faut revenir au fondamental. La formation, c'est d'abord un investissement. C'est ce que chacun fait pour lui-même, fait pour ses enfants. Or, en période de crise, qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde dit oui, c'est un investissement, mais tout le monde, dès qu'il y a des problèmes budgétaires, et il y en a un peu partout, coupe la formation, le considérant non seulement comme une dépense, mais comme peut-être la dépense la moins utile. Il y a une contradiction. L'Europe a construit sa force, sa compétitivité sur la formation et est en train de sous-investir sur la formation. Alors en période de crise, il y a deux choses qui se passent. Plus de chômage, plus de transformation des métiers. Plus de chômage, ça veut dire qu'il faut transférer de l'argent des salariés vers les demandeurs d'emploi. Ce n'est pas contre les entreprises, parce que quand on forme un demandeur d'emploi, quand l'AFPA forme des stratifieurs, ben ce serait pour ceux qui vont travailler sur les éoliennes. Donc c'est pour les entreprises. Mais il faut faire ce transfert. L'Allemagne l'a fait plus que la France. La France l'a fait avec la dernière loi, en gros 700 millions d'euros, mais ce n'est pas assez. Deuxième enjeu, la transformation des métiers. Le numérique, on sait tous, ça impacte tous les métiers. La transition énergétique, ça va bouleverser de fond en comble tous les métiers. On n'en est qu'au début. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut des formations lourdes, de reconversion, de qualification. Il y a un slogan dans l'AFPA qui dit « Chacun a droit à plusieurs vies professionnelles ». Ben oui, simplement pour avoir droit à plusieurs vies professionnelles, il faut des formations de qualification. La dernière loi, qui fait suite à un accord interprofessionnel, mise précisément là-dessus. Son outil, c'est le compte personnel de formation. Alors bien sûr, il y a eu des interrogations, parce que le compte personnel de formation, c'est 20 heures par an, donc 20 heures plus 20 heures plus 20 heures, ça, on voit, tout le monde voit bien que ce n'est pas suffisant pour une formation de reconversion, de qualification. Il y a deux manières de résoudre l'équation. La première, ça s'appelle la validation des acquis professionnels. Et c'est quelque chose qui, en France, s'est développé, qui est de très grande richesse. L'idée, c'est simple, on ne refait pas faire à quelqu'un quelque chose qu'il sait déjà. Or, comme le niveau d'éducation s'élève, il y a des bouts d'expérience partout. La deuxième chose, c'est que le système prévoit des abondements. C'est-à-dire, si vous voulez faire une formation qui apparaît utile à la région abondera. Si elle apparaît utile à la branche abondera. Si elle apparaît utile à votre entreprise, l'entreprise abondera. Donc, compte personnel de formation, plus validation des acquis professionnels, plus abondement, ça doit permettre de conduire à des formations de qualification dont on a besoin aujourd'hui. Depuis 2008, pour les acteurs du secteur, les marges ont été divisées par deux. On a également assisté à l'émergence du low cost. Quelles sont les perspectives dans ce contexte que vous anticipez à moyen terme ? Bon, il est clair qu'en France, il y a beaucoup plus d'opérateurs de formation que dans d'autres pays. L'AFPA est le principal opérateur, mais il y a toute une myriade de petits, souvent des acteurs locaux. Il y a une tendance, moi je la déploie, mais il y a une tendance à la marchandisation de la formation, au gros à faire du low cost. Alors le low cost, je vais prendre une image. Si vous prenez un avion low cost pour aller de Paris à Marrakech, vous arrivez quand même à Marrakech. Peut-être c'est moins confortable, peut-être il y a un temps d'attente, peut-être le vol est annulé, mais vous arrivez à Marrakech. Si vous faites une formation low cost, ben vous risquez d'aller du chômage au chômage. Alors là, ce n'est plus un investissement, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Donc, la marchandisation de la formation, c'est contradictoire avec l'approche investissement. Puis il y a une autre dimension, quand même une certaine actualité, c'est que la formation, ce n'est pas simplement transférer des compétences techniques, c'est aussi des manières de vivre ensemble, une manière d'être citoyen. Ce que fait l'AFPA, l'AFPA, ça ne s'arrête pas à 17 heures, il y a un accompagnement social citoyen. Cette dimension-là, ça vit mal avec la marchandisation, avec le low cost dans la formation. Donc effectivement, attention, il y a un risque pour le système. Yves Barou, aujourd'hui, on entend beaucoup parler de tsunami numérique dans l'éducation, avec par exemple les MOOC. Ce tsunami numérique va-t-il aussi s'abattre sur la formation professionnelle et quelles sont les conséquences que vous anticipez ? Alors, c'est une révolution, mais tsunami, il y a aussi des aspects positifs. Bien sûr, c'est un vrai défi pour tous les opérateurs de formation. Le défi, c'est que si on prend les choses au premier degré, je fais un cours, je fais un amphi devant 300 personnes, je le mets sur Internet, 10 000 personnes écoutent. Mais ça reste une pédagogie ringarde. Donc tous ceux qui font de la formation sans innovation pédagogique, comme en pure transmission de connaissances, ça ne va pas aller très loin. La tradition de l'AFPA, c'est de partir de la reproduction des situations de travail, de la simulation du réel. Alors là, quand on dit ça, on se dit « Ah, le numérique va nous permettre beaucoup de choses, y compris des réseaux sociaux d'apprenants. » Donc l'AFPA est en train de créer la première plateforme francophone pour tous les métiers, où il y aura des ressources pédagogiques, mais pas pour faire du pur e-learning,
Moi, je ne crois pas au pur e-learning. Les entreprises qui ont voulu le faire, ça ne marche pas. Il faut du multimodal. Le multimodal, c'est un peu de e-learning à distance, un peu de présentiel, beaucoup d'accompagnement, beaucoup de discussions entre les personnes qui sont apprenantes, avec le formateur professionnel, des serious games, des situations de simulation professionnelle. C'est un itinéraire personnalisé, ça dépend du métier, ça dépend de la personne. Donc c'est ça à la fin. Donc à la fin, il faut marier pédagogie et numérique. Il ne faut pas penser numérique égale à distance et chacun se débrouille. Non, il faut encore plus de pédagogie. Et donc le défi aujourd'hui, c'est que le numérique ouvre des possibilités. Faut-il que les méthodes pédagogiques, que l'innovation pédagogique soient au rendez-vous? Alors l'AFPA a toujours été le laboratoire de l'innovation pédagogique en France, donc est en train d'essayer de relever ce défi. Yves Barbou, merci pour ce décryptage.